Bonjour tout le monde. Mon papa n'a pas le temps de faire un petit café ce matin. Pas de coucou live. Alors du coup, il me filme en train de manger. Après avoir dégusté le mélange de graines habituel, j'ai droit à un petit dessert avec un petit biscuit moelleux sur lequel mon papa a versé un peu d'eau tiède, parce que j'aime, moi, quand c'est un petit peu mouillé, vu que je n'ai pas de salive. Voilà, voilà. Ça me permet de finir tranquillement mon repas avec vous, parce que vous avez demandé à mon papa de me filmer plus souvent quand je mange. Dites donc, pas de discrétion ici. Oui, ma Fifi. Comme vous voyez, je suis gourmande, mais pas trop. Mange, Jackson. Tu peux manger encore un petit peu. Tu t'es bien rempli le gosier? Hein, Fifi? Oui, mange. Mange, Fifi. Papa, il parle à qui? Il parle comment? Pourquoi il a son téléphone? Ah, je vous jure. Allez, c'était notre façon à nous de vous souhaiter une belle petite journée pour ceux qui sont du côté de Tahiti, au Québec. Ici, il est 9h30 à peu près du matin. Au Québec, il est 15h30. Et du côté de la métropole, il est encore 21h30. Voilà, petite vidéo de Multitaskman en vous remerciant pour tous les beaux messages que nous avons reçus suite à la publication de ce reportage avec Tania et François. Arnaque au Saguenay, perroquet en détresse, vous êtes très nombreux à réagir. Et d'ailleurs beaucoup de gens du Saguenay qui m'ont envoyé des messages. Je les remercie. Et puis je me suis permis également de vous mettre une conférence d'Alain Bauer qui était à Tahiti. J'ai pu filmer la conférence, donc à partir du moment où j'ai trouvé ça intéressant, je le partage sur ma page. Je rappelle encore à ceux qui vont me faire des commentaires, parce que ça parle pas de perroquet, que la chaîne s'appelle Multitaskman. Multitaskman veut dire homme multitâche, donc c'est normal qu'ici vous puissiez trouver différents sujets comme les sujets que je traite dans l'After JT. Bisous magiques, je t'aime.